Aujourd'hui, la Team Keto, on est sur Brookhaven RP et je deviens psychologue. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci! Oh non, j'ai déjà mon premier client qui arrive! Mais c'est vraiment hyper rapide! Bonjour monsieur! Ah ben non, moi c'est madame! Ah bon? Bah c'était marqué monsieur pourtant! C'était pas monsieur Giorgio? Bah non, non, monsieur Giorgio! En plus, attendez, vous connaissez monsieur Giorgio, mais. Mais il est plus vivant! C'est mon ex! Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, hein, parce que je vais pas bien du tout! Ah non, je vais pas bien du tout! Je me remets pas du tout! Ma rupture avec Giorgio, je suis vraiment, vraiment triste, je sais même plus quoi faire. Franchement, ma vie depuis qu'il est pas là, elle s'est arrêtée. J'ai plus aucun sens à mon existence. Oui d'accord, bon je comprends le problème, effectivement. Bah écoutez, on va arranger tout ça ensemble et je pense que ça ira bien. Quel a été votre dernier contact avec monsieur Giorgio? Bah quand je l'ai tué, vous avez pas suivi. Écoutez madame, je sais que j'ai pas le droit de répéter ce qui est dit dans cette salle, mais veuillez partir s'il vous plaît, je ne défends pas n'importe qui et je vais pas vous aider alors que vous avez tué quelqu'un. Votre place est en prison ou en hôpital psychiatrique. Si vous partez pas tout de suite, je vais appeler l'hôpital. Oh non, bah je vais partir alors, j'ai pas vraiment le choix et de toute façon, vous êtes vraiment nul. Je vais trouver une autre psychologue et puis vous savez quoi, la prochaine fois, je vais vous tuer moi aussi. Allez, au revoir. Ah là, pardon, il y a une psychologue qui a été... bonjour madame, je sais pas ce qu'elle fait là, elle est bizarre. Elle... Bonjour madame, j'ai la voix cassée quoi, mais... Et ça va le faire, ça va le faire. Bonjour madame, je suis juste un petit peu malade, j'ai un peu la voix cassée. Je vais pas super bien, mais en tout cas, j'ai besoin de votre aide. Mais c'est toi, Miss Darkito, en fait, la psychologue. Par contre, tu sais, j'ai croisé une dame vraiment bizarre avec une hache. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je vais voir une psychologue parce que j'ai absolument besoin d'aide. En ce moment, j'ai la voix cassée et tout le monde ne m'arrête pas de me le dire que j'ai la voix cassée. Du coup, ça va pas trop. Alors après, ça m'atteint psychologiquement parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui like les vidéos. Et ça, franchement, il y a besoin de personnes qui like la vidéo. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais franchement, il y en a besoin, non? Darkito, mais dis-moi, s'il y a quelque chose qui allait pas, bah, t'aurais pu me le dire à la maison, mais pas venir forcément ici, tu vois, à mon bureau. En plus de ça, tu viens de croiser une fille complètement folle. Enfin, ça reste entre nous, parce que c'est un secret, tu vois. Normalement, c'est protégé par, tu sais, le secret, je sais pas comment ça s'appelle, là, bah, tu sais très bien. Et bah, en fait, elle a tué son ex. Oh non, elle est revenue. Darkito, va fermer la porte, s'il te plaît, va fermer la porte. Tiens-moi une folle, celle-ci. Ouais, vas-y, je ferme la porte à clé, allez. Je clique. Voilà, hop, là, c'est fermé. Ouais, donc du coup je te disais, bah en fait je vais pas très bien parce qu'il y a très peu de personnes en ce moment qui likent les vidéos. Et je me suis dit que si tout le monde likait la vidéo, genre tout de suite, maintenant, au moment où je te parle, bah peut-être que j'irai un peu mieux. Mais bref, je suis pas venu uniquement pour ça, je suis venu aussi parce que les gens ils viennent pas nous suivre sur Insta. Et franchement moi ça me déprime beaucoup, tu sais, genre je pensais que les gens ils allaient venir nous suivre sur Insta et tout. Et y a personne qui nous suit sur Insta et si tout le monde vient nous suivre sur Insta maintenant, tout de suite, et bah je vais être heureux. Vraiment c'est bizarre là Darkito, je croyais que t'allais pas bien. C'est un étant à cause du Discord, enfin j'ai rien suivi, mais en tout cas ce que j'ai compris c'est que là tu viens, tu parles des likes, de l'Insta, mais Discord aussi. Dis-moi un peu plus sur ce qui se passe en ce moment. Bah oui, parce que hier je t'ai vu pleurer quand même. T'es sûr que ça va? Oh non, mais t'as le don de faire pleurer tout le monde dans ce bureau. Mon Discord, j'ai même pas le temps de m'en occuper. J'aurais préféré avoir un canal de diffusion sur Insta, par exemple. Allez, tu me fais trop pleurer, moi je m'en vais. Oh non, la porte est fermée à clé, il y a une folle devant la porte. Bon, tu sais quoi, je l'ouvre, allez. Au revoir, madame, vous avez raison, elle fait vraiment pleurer tout le monde, cette fille-là, à l'intérieur. Ah là là, et pourquoi vous avez une hache? C'est vraiment bizarre, vous. Bon, allez, moi je m'en vais, là c'est n'importe quoi. Oh, mamma mia, je suis vraiment triste. Bonjour, madame, pourquoi vous avez une hache? C'est vraiment bizarre, elle. Bonjour, bonjour, je suis vraiment pas bien du tout. Bonjour monsieur. Bon, cette fois-ci, je croise les doigts pour pas qu'il reparte en pleurant. On va essayer d'être gentil, aimable et tout va bien se passer. Alors, racontez-moi pourquoi vous êtes ici. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez heureux et épanoui dans votre vie, non? Non, pas du tout, madame, pas du tout. J'ai fait une bêtise en cuisine. J'ai mélangé les carottes et les pommes de terre. Et ça fait une ratatouille. Mais monsieur, la ratatouille, il faut pas plutôt, comment dire, autre chose que des carottes? Des aubergines par exemple et des courgettes? Enfin, je sais pas, après peut-être qu'on n'a pas la même recette, monsieur, mais... C'est pas possible ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je viens pour me faire conseiller par une conseillère de cuisine.
ou par une psychologue. Enfin, je voulais juste vous dire à quel point... Bah, la ratatouille, c'est pas ça la recette. Mais sinon, vous inquiétez pas, elle doit être vraiment super bonne, la vôtre aussi. Bon, et sinon, bah, comment ça va? Vous avez des enfants, une femme? Une femme? Attendez, il y a quelqu'un derrière vous. Ne bougez surtout pas, c'est rien du tout. Hé, hey, partez de là, on a un rendez-vous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue complètement folle, celle-là. Madame, partez. Partez, ou sinon j'appelle l'hôpital psychiatrique. Oh là là, on est dans une maison de fous ici ou quoi? Moi, je veux juste... En fait, j'y suis un imposteur. Et tout le monde y a cru, que j'étais un vrai cuisinier. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame-là? Oh. Ben, pourquoi vous faites le cuisinier alors, si vous êtes pas chef? Ah non, vous aussi, vous me faites pleurer. Ah là là, c'est bon, j'ai bien fait la comédie. Mais c'était parfait. Tenez 5$. Ah voilà, enfin 5 Robux plutôt. Comme ça, mon nouveau cabinet de psychologie, il va fonctionner du tonnerre. J'espère qu'elle va démissionner tout de suite. Oh là, c'est vraiment en train de m'énerver. J'ai plus du tout envie d'être psychologue. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Ils repartent tous en pleurant. Non, mais moi, je crois que j'ai vraiment rien compris à ce métier. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur, vous allez mieux? Darkito, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'a dérangé, le monsieur? Ou tu l'as pas fait pleurer aussi? Attends, déjà qu'il va pas bien? Ah, merci pour les 5 Robux. Merci beaucoup, la prochaine fois je ferai un petit peu mieux la comédie. On a bon courage, débrouillez-vous sans moi. Mais Darkito, comment ça 5 Robux? Je comprends plus rien. Il a joué la comédie, c'était des faux clients? Non mais, pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas du tout. En plus, tu m'aimes bien, non? Mini Darkito, parle-moi. Ça a toujours été mon rêve d'être psychologue. Et tu as pris ma place de psychologue. J'ai toujours voulu, du coup, j'ai engagé des gens. Et du coup, ils ont fait la comédie pour te faire fuir, pour plus que tu sois psychologue et que ce soit moi, le psychologue. Ça a toujours été mon rêve. Mais voyons, Mini Darkito, il fallait me le dire plus tôt. Attends, je t'aurais laissé, moi, ma place. Et en plus de ça, je pense que t'aurais été vraiment un meilleur psychologue que moi. Je suis vraiment nulle, ils sont tous partis en pleurant, à moins que ce soit... que ce soit fait exprès. Et dis-moi, la fille, tu sais, avec la hache, là, qui a tué son ex, ça aussi, c'est toi qui l'as payé 5 Robux? Non, moi j'ai juste payé Gusto et Darkito. Enfin, je l'appelle Gusto parce que, tu sais, c'est comme le mec de Ratatouille, quoi. Attends, mais je viens de dire le mec de Ratatouille? Mais attends, il savait même pas faire une ratatouille. C'était vraiment nul. Bon, Ka, je suis surprise que Darkito, il ait accepté de se faire payer pour jouer la comédie. Il a vraiment plus de respect, celui-là. Qu'est-ce que tu regardes derrière moi, Mine Darkito? Il se passe quoi? Attends, mais c'est la fille? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh non, j'aurais dû vraiment appeler l'hôpital psychiatrique. Oh non, j'aurais vraiment dû appeler l'hôpital psychiatrique. Peut-être qu'il est pas trop tard. J'aurais peut-être aller voir la police. Bon, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. En tout cas, vraiment une folle cette fille, non? Mais Darkito, il aurait jamais dû les payer.